Bonjour et bienvenue. Pour ce premier épisode, nous allons parler d'un livre que j'aime tout particulièrement, de par son contenu, mais aussi par son design. Voici l'Almanach de la sorcière, écrit par Catherine Queneau. Un almanach, c'est un grand calendrier qui nous donne tout un tas d'informations. Et celui-ci, c'est pour tout ce qui concerne l'occulte. Nous avons une présentation de chaque mois, avec une correspondance avec un ange et un démon pour chacun. Il est indiqué la fleur du mois, l'animal du mois, l'oiseau, la pierre, le métal, etc. On y retrouve tout un tas d'informations pour chaque jour. Presque chacun possède son saint, son génie, son gris-gris, une recette ou encore un parfum. La chance est favorable dans certains domaines selon les jours et ils y sont répertoriés. Certains jours par contre ne sont pas propices à la pratique de la magie. À la place, nous avons un petit cours. Par exemple, pour mon anniversaire, le 19 mars, nous avons un cours sur le plan astral. Les sabbats, les fêtes païennes, que vous pouvez retrouver dans une vidéo sur ma chaîne, en font partie. On y retrouve une description, son origine, les décorations que l'on peut mettre, les activités que l'on peut faire, ou encore un repas particulier pour l'occasion. Les signes astrologiques ont également une place dans ce bouquin, avec une description, son élément, son huile, son encens, sa pierre, etc. Je possède une édition de 2012. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont sortis, notamment une version noire, et j'ai beau adorer le noir, je trouve la version avec les couleurs beaucoup plus jolie. Le design du livre est magnifique. On a l'impression d'avoir un véritable grimoire dans la main. Le papier jauni, les illustrations, les dessins, ce livre est beau. Mais au-delà d'être beau, il est surtout très intéressant. Il nous apprend beaucoup de choses sur tout ce qui est associé au jour et au mois. Bon, c'est un almanach, donc forcément, c'est le but. Mais aussi pour les sabbats, les signes astrologiques. Et avec tous les petits cours qu'il donne, vous allez forcément apprendre quelque chose. Voilà pour ce livre. J'espère que vous aurez apprécié cette petite présentation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous l'avez et ce que vous en pensez. Like, partage, commentaire, abonnement, et à bientôt.